Oui, alors le cinéma de montagne, peut-être que ça n'est pas un genre en soi, hein, mais que la montagne au cinéma, en tout cas, c'est présent dans beaucoup, beaucoup de films. D'abord les Frères Lumière, hein, chez nous. La fin du 19e, hein, 1898-99, 1900, les Frères Lumière filment La Mer de Glace, ils filment en Suisse, etc. Ce sont des séquences, hein, voire des plans-séquences. On ne peut pas véritablement parler de film. En 1906, il y a Joseph Vallaud, le scientifique, qui monte au sommet du Mont Blanc, qui fait un petit film de 6 minutes, 1906. Bon, vraiment, le film abouti, je dirais, le premier, en tout cas chez nous, il me semble que c'est Max Linder. Max Linder, 1910, qui va à Chamonix avec des opérateurs, avec deux caméras, avec des comédiens, et qui tourne des films éclatants, hein, d'humour. Max et sa belle-mère, par exemple. Voilà, alors c'est des films qui sont très courts, c'est des films qui tournent autour d'un quart d'heure, rarement plus. Et il a le génie, en fait, d'utiliser le paysage et d'utiliser la neige. Bon, Max et sa belle-mère, on peut dire en trois mots, hein, ce que c'est comme scénario. C'est un couple, bah, Max et sa jeune fiancée, qui partent en voyage de noces. Mais la belle-mère est avec eux. Et bien sûr, elle est très encombrante. Donc, on va lui faire faire du patin à glace, on va lui faire faire du ski, on va lui faire faire de la luge. On vient tout ce qu'il faut pour l'occuper et pour éventuellement s'en débarrasser. Ça a eu un succès formidable et ça a même entraîné un boom touristique à Chamonix. Ça, c'est 1910. Et puis, dans des films qui vont devenir alors plus tragiques et plus dramatiques, dans les grands films, on peut citer Abel Gance, avec La roue d'Abel Gance. Alors là, on n'est plus dans des courts-métrages, puisque le film qui sortira va faire 9 heures. Il tourne entre 1920 et 1923. Le tournage dure très très longtemps, tout simplement parce que sa femme est malade de la phtisie galopante. Et on pense que pour la soigner, il lui faut le bon air de la montagne. Donc il s'attarde très longtemps dans la montagne avec un assistant qu'on n'attend pas, qui est Blesse Cendrars. Et évidemment, Blesse Cendrars et Abel Gance, on imagine l'équipe de choc et ravageuse que ça peut faire quand ils arrivent au col de Vosse, par exemple. Ils rasent directement l'ancienne gare sans rien demander à personne. Ils retirent les poteaux télégraphiques parce que ça les gêne dans le paysage. Ensuite, ils emmènent toute leur équipe jusqu'au refuge des Grands Mulets. Leur héroïne Norma tombe dans une crevasse. Enfin, c'est un film gigantesque. Alors, surtout du point de vue cinématographique, c'est plein d'innovations comme Abel Gance pouvait les faire, bien entendu, avec tous les phénomènes de surimpression, d'accélération, d'éclair-obscur exceptionnel. Et je pense que ça pourra aussi servir de référence à ce que va devenir, quelques années plus tard, le Bergfilm allemand. Alors là, le Bergfilm allemand, on peut dire que c'est vraiment le fondateur du film de montagne ou du film à la montagne, puisque Abel Gance est venu là presque par hasard. Même s'il a merveilleusement utilisé les sites et le paysage, alors qu'Arnold Fanck est un homme de la montagne, qui croit à la montagne, qui embauche des athlètes, des alpinistes, des guides, il prend Louis Strenke, par exemple, pour la montagne sacrée, et bien sûr, Leni Riefenstahl, dont on sait qu'elle a été sa grande vedette, une actrice formidable, une danseuse remarquable, qui va tout apprendre du cinéma d'Arnold Fanck pour, hélas, le mettre au service d'Hitler. Il n'empêche que La Montagne Sacrée, qui est un film de 1926, c'est un film qui est vraiment fondateur de tout ce qu'on va pouvoir faire sur le plan scénaristique, par exemple, c'est-à-dire la montagne comme lieu de résolution des conflits, comme du conflit amoureux notamment, hein. Par exemple, le scénario de Fred Zinman, 5 jours ce printemps-là, n'est pas très différent, on va dire, de la grande rivalité qu'il y a entre le champion de ski d'Arnold Fanck et Karl,
qui est joué par Louis Strinke, et qui est lui un guide, mais un guide taciturne, etc. Et les deux s'affrontent jusqu'à la mort pour les beaux yeux de la belle Diotima. Bon, ça ne se termine pas beaucoup mieux pour Lambert Wilson dans 5 jours ce printemps-là. Et puis, sur le plan purement cinématographique, par exemple, le montage, on voit que sa façon de filmer les courses à ski, c'est vraiment la manière qui va être reprise ensuite par exemple, Lelouch Reichenbach dans 13 jours ce printemps-là, ou Les neiges de Grenoble, le film de Lankpin avec Jacques Herto sur les Jeux Olympiques de 1968. On sent véritablement que à partir du Bergfilm allemand, Tempête sur le Mont Blanc, fait aussi par Alan Funk hein, en 1930, à partir de là, on va véritablement avoir une vision assez nietzschéenne de la montagne. Oui, alors bien sûr, on parle beaucoup de ce cinéma de fiction un peu fondateur du cinéma de montagne. Mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle, on a aussi les documentaires, voire des grands documentaires. Là, je crois qu'on ne peut pas éviter de faire un petit tour par les Anglais, parce que, évidemment, ce sont eux qui, les premiers, vont essayer de tenter l'Everest, notamment, avec un réalisateur assez étonnant, qui est un peu un aventurier, John Noel, qui est très inventif, qui invente des caméras légères, des téléobjectifs, qui retravaille le matériel, qui réussit aussi à le conditionner pour la haute altitude et pour le froid. Et John Noel, sans avoir ni une grande culture cinématographique ni ethnographique, c'est un esprit curieux, extraordinaire. Et dans les films de 1924-1928, on a énormément, énormément de détails ethnographiques extrêmement intéressants sur lesquels, au fond, il ne s'engage pas. Il est sans jugement. Il ne cherche pas ni à valoriser, ni à dévaloriser. Mais il exprime sa curiosité. Et il a une façon formidable de montrer les cérémonies religieuses, de montrer la paysannerie, d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. Et il ne centre pas ses films assez curieusement sur les chefs d'expédition ou sur les alpinistes eux-mêmes. Oui, ils sont là aussi, mais ce n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, si on reprend le film de 1956 sur la 53 pardon sur la conquête de l'Everest qui a été fait par les Anglais donc l'aventure d'Hilary et Tenzing après l'aventure malheureuse de 1928 de Mallory et Irvine dont les dernières images à plus de 8000 mètres seront faites grâce au téléobjectif de John Noel et bien si on reprend ce film de 1953 eh bien, on s'aperçoit qu'il y a exactement le même type de respect pour les populations. Jamais on n'a su qui était arrivé le premier au sommet de l'Everest. Est-ce que vous le savez, vous? Je ne pense pas. Hein? On ne sait pas si c'est Hilary ou si c'est Tenzing. Ils n'ont jamais voulu le dire. Ils considèrent qu'ils sont arrivés ensemble et que c'est un travail qu'ils ont fait ensemble. Et ça, c'est tout à fait remarquable. D'un cinéma anglais qui est respectueux et curieux des pays dans lesquels il va. Hélas, je suis désolé, hélas, c'est pas la même chose de l'école française. On a quand même un film qui est beaucoup plus chez les Français à caractère colonial, voire néocolonial. Bon, on a ce film Karakoram. Fondateur un peu du cinéma français du point de vue du documentaire himalayen, fait par Marcel Ishak, 1934, chef d'expédition Henri de Ségogne, avec sur la tête le casque colonial, qui a une pochette blanche à la veste pour embaucher les porteurs. On est dans une sorte de regard qui est presque tout le temps un regard un petit peu ironique. Sur ces porteurs qui ont peur des torrents, qui cherchent à avoir une charge
qui est la moins lourde possible, alors, et qui sont dans l'ignorance que ça a été pesé à l'avance et que ce n'est pas le volume de la charge qui fait son poids. Et on se moque d'eux, en fait. Très souvent, il y a une dévalorisation des populations. Dans le film Karakoram, on ne sait pas d'ailleurs vraiment qui sont les Sherpas, d'où ils viennent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils font une chute de plusieurs centaines de mètres et que c'est grâce au cinéaste qui va les ramasser en miettes en bas qu'ils resteront en vie. Il y a quelque chose dans tout cela qui est un peu, aujourd'hui, un peu gênant, même si on le remet dans un contexte. Bon, il serait difficile de parler de Werner Herzog sans revenir à Arnold Fanck et même à Louis Strencke, c'est-à-dire à ceux qui sont les fondateurs du Bergfilm allemand. On n'est pas tout à fait dans les mêmes thématiques, mais on est tout de même avec des héros qui sont toujours des héros nietzschéens. C'est évident. Bon, pour Werner Herzog, bien sûr, on pense tout de suite à Aguirre. Mais les personnages qui sont mis en œuvre, par exemple, dans les films d'Arnold Fanck, de Louis Strencke, sont pas très très différents de cet Aguirre conquérant, jusqu'au-boutiste, et qui va jusqu'à la mort. La question de la mort est toujours présente, soit à cause de conflits qui peuvent être des conflits amoureux. Bon, on sent qu'il y a quelque chose comme ça dans le dernier film d'Herzog de Montagne, le dernier qu'il ait fait, c'est Rotoré, le cri de la roche, film fait en 1990. Bon, il y a la rivalité entre un jeune et un ancien, il y a une jeune femme au milieu qui est jouée par Mathilde Amé. Après tout, c'est la même histoire que la montagne sacrée, d'une certaine manière, et ça se termine fort mal. Les deux films que vous présentez, La Soufrière et Gâchère-Broom, sont deux films dans lesquels on a à chaque fois un personnage dominant. Le personnage dominant s'appelle pas Fitzcarraldo, mais c'est Reynold Messner. Et puis ce personnage très étrange qui est un paysan extrêmement pauvre, lui il est dans l'extrême, mais alors dans l'extrême de la pauvreté pour le coup, ce personnage qui ne veut pas quitter l'endroit où il vit, au pied de la Soufrière, alors qu'on sait qu'il va y avoir une éruption. Et pratiquement, il est sûr de rester là, d'y mourir en quelque sorte. Si on reprend Gâchère-Broom, la montagne lumineuse, on se trouve exactement sur le même sommet que le Hidden Peak, puisqu'en fait le Hidden Peak c'est le Gâchère-Broom 1, on se trouve sur le même sommet que celui qu'avait filmé Marcel Ishak dans Karakoram en 1936. Et ce qui est assez étonnant, bon là on a quand même un écart de temps très important, c'est qu'un personnage comme Messner, exceptionnel, qui a déjà gravi l'Everest sans oxygène, pratiquement sans aide extérieure, c'est-à-dire avec très très peu de logistique, eh bien, il envisage cette fois de faire deux sommets à la fois, deux 8000 en même temps, avec Hans Cammerlander. Bien sûr, c'est infilmable. C'est infilmable dans la mesure où ils partent tous les deux dans la montagne. Et il y a un exploit, en quelque sorte, cinématographique de Werner Herzog, qui va consister à nous faire vivre une ascension sans la vivre lui-même. Il va jusqu'au camp de base, mais pas au-delà. Mais il a une capacité formidable Werner Herzog, a organisé notamment des interviews, des moments très particuliers de cinéma, très travaillés, qui sont absolument incertains. C'est-à-dire que là où se place
Werner Herzog pour faire ses interviews, c'est ce qu'éviterait n'importe quel cinéaste, parce qu'il y a toujours trop de problèmes. Il va mettre Messner et Kamerlander, il va les mettre dans une espèce de vasque d'eau, voilà, et il va faire son interview à cet endroit-là. Il va interviewer Messner, nu pratiquement, en train de se laver dans un torrent glaciaire. Il va filmer de nuit, alors qu'on voit presque rien, l'interview fondamentale dans laquelle Messner va pouvoir se livrer sur la mort de son frère au Nanga Parbat. Donc on a une sorte de recherche de la difficulté cinématographique pour réussir à faire sortir une sorte de nudité, de propos à vif. Donc c'est un très grand film de montagne dans lequel, je dirais presque, il n'y a pas d'image de montagne. Il va aussi très loin sur le plan presque de l'analyse sociale, sans vouloir la faire en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il pose cette question étrange par la réponse que va faire Messner, cette question, est-ce que vous êtes amis? Tout le monde imagine, comme à Gaston Rebuffat, que forcément la montagne, c'est toujours la cordée des gens qui s'aiment en quelque sorte, ce sont des vrais amis, très liés, etc. Il y a de l'affect, du sentiment. Messner répond assez froidement, non, ils ne sont pas amis. Il dit simplement, Hans, c'était celui qui avait le plus de qualités pour m'accompagner parce qu'il a les mêmes qualités que moi. Il faut quand même oser le dire. Et quand on sait que dans la réalité de l'histoire du moment, Hans Kamerlander était l'employé de Messner, parce qu'ils avaient fondé une école de montagne ensemble, dans laquelle c'était Messner le patron. Donc il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce que Herzog réussit à obtenir des gens avec qui il part. Il y a cette conclusion à la fin où Messner dit au fond, il nous a dit au début, j'ai pas de... le métier, ça sert à rien. Le métier, c'est les gens qui ont besoin d'exercer un métier, c'est vraiment des gens, il les méprise en quelque sorte, parce que lui, ce qu'il voit, c'est l'idéal de la montagne. Une sorte de réalisation de sa volonté de puissance sur les très hauts sommets, et ça correspond pas avec l'exercice d'un métier. À côté, il y a Kamerlander qui exerce le métier pour lui, qui est très fier d'avoir pu sortir de la ferme familiale où il travaillait pour être moniteur de ski, puis diplômé guide de haute montagne. Donc il y a une tension sociale extraordinaire. Et à la fin, donc j'y reviens, Messner dit au fond, moi, je suis prêt à exprimer l'infini en quelque sorte en partant dans une sorte de désintéressement total de ma propre existence, car ce qui compte, évidemment, c'est d'être... On va dire bah, d'être le surhomme en quelque sorte. Et Hans Kamerlander, en contrepoint, va dire le genre de choses qu'on vient de faire, il faut pas le faire trop souvent dans sa vie, parce que sinon on est sûr de parvenir. Donc il y en a un qui exalte complètement le surhomme et l'autre qui est l'homme en quelque sorte. Et là, il y a peu de films de montagne qui sont capables de nous apporter ça.